Aujourd'hui, les entreprises ont pour la majeure partie un modèle qui est extractif, donc extraire, concevoir, produire, distribuer, vendre, accompagner l'usage et jeter. Et sur toute cette chaîne de valeur, on peut déjà faire beaucoup de less bad. Alors, l'expression ne vient pas de moi. Donc comment on réduit l'impact sur toute cette chaîne de valeur? Il y a de très belles choses à faire autour de l'éco-conception, l'efficacité énergétique, les bâtiments durables, la logistique durable, etc., qui sont de très beaux sujets à travailler en interne, mais aussi de très beaux enablers sur le marché, au-delà de ces deux belles entreprises. Et effectivement, c'est du « et », il faut traiter ce « less bad » et ensuite adresser le « more good » et rentrer dans les fameux « r », donc récupérer, réployer, réemployer, récupérer, réparer, réemployer, recycler et régénérer. Et c'est la conjonction de tous ces éléments qui permettra réellement de tenir les ambitions de réduction d'impact négatif des entreprises.